Bonjour à tous les amis, c'est FeuJumper, j'espère que vous avez bien écouté. Moi ça me nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de Stranded Deep, hein, mon petit voyage sur mon île, tout seul. Voilà, donc jeu vraiment sublime. Honnêtement, on a été la fois dernière sur une nouvelle île qui se situe d'ailleurs là-bas. Je crois que c'est ça, attends. Et là-bas, oui, voilà. Et on avait trouvé énormément de choses. On avait croisé un bout de bateau, effectivement. Et non, deux ruines, je crois, de bateau. Et on avait ramené masse choses. La fois dernière, c'était un truc de malade. Et aujourd'hui, on va attaquer encore du craft et de la construction. On va prendre justement déjà du hammer. Donc, on va avoir besoin de lightning. Le lightning, je vous rappelle, c'est ceci. Normalement, si je mets tout ça ici, je peux crafter, voilà, des lightning sans problème. Voilà, il suffit de laisser les items par terre. C'est aussi une autre technique qui fonctionne, ma foi, très très bien. Et on va crafter la maison. On va commencer à faire un début de maison parce que j'ai vraiment envie de... D'ailleurs, il y a des nouveaux trucs ou quoi par rapport à la fin? Non, je crois pas, je rêve. J'ai envie de, voilà, de m'améliorer, de faire une maison, un petit coin tranquille. On va faire le marteau. Voilà, et là avec le marteau, normalement, on va pouvoir commencer à, voilà, fabriquer des maisons. Enfin, une maison, une habitation. Donc pour ça, on a la fondation, on a white foundation, white floor, door. Ah, c'est super. Par contre, pour la fondation, il faut masse truc. Hein. Il faut masse truc. La fondation. Oh, ça va en fait. Beaucoup de wood stick. Au final, j'ai bien fait de faire ça comme ça. Je vais voir où est-ce que je vais, où je vais faire ma maison. J'aimerais avoir vu sur la mer. Donc, je pense que le must, c'est de faire une maison genre. Parce que, attendez, est-ce qu'on peut faire un escalier? Oui, on peut faire un escalier. Trop cool. Alors, on va faire les fondations ici. Ouais. Fondation ici, ça serait pas mal. Wood foundations. Par contre, je sais pas pourquoi je l'avais il y a deux secondes, là j'ai plus. Ah oui, c'est pour ça. C'est avec tous les sticks qui étaient là-bas. C'est pour ça qu'il m'a proposé ça. Bah d'ailleurs, on va tout prendre. On va tout prendre dans les mains, comme ça, ça va débarrasser le sol. J'ai trop peur en fait que ça disparaisse. C'est peut-être pour ça aussi, mais normalement, il y a aucune raison. Hein, aucune raison. Voilà, voilà. Allez hop. Oh, ça va être cool. On va faire notre maison, les gens. Oh, c'est cool, la petite cabane. Petite cabane. Foundation. Allez, wood foundation, c'est parti. Parce que ça, c'est Foundation, même Drift, Wood, Stick. Oh, le mess, c'est quand même ça, non? Wood Foundations. Plank Scrap. Wow, on pourrait faire, ouais, des trucs comme ça. Mais les Plank Scrap, comment t'en fabriques? Parce que si c'est fondation plus solide, moi, je veux bien, hein, mais je crois qu'on n'a pas de quoi faire les Plank Scrap. Je ne crois pas. Ou alors... Attends, j'ai l'idée. Est-ce que ça serait pas avec ça? Bon, de toute façon, au pire des cas, on peut toujours. Parce que Drift Log. On va voir un petit peu. Parce que là, on a fondation, on a floor. Oh, mais en vrai, on a trop de trucs. Ah, je viens de piger là. Oh là là! Mais en vrai, il y a trop de trucs. Ok, donc je viens de regarder les gens. Donc on laisse tomber pour les planches. Donc on repart sur ce que j'avais vu. Donc les fondations classiques en stick. Ils sont plus jolis quand même, parce que en fait les planches vous pouvez les trouver sur les îles, mais c'est un petit peu en mode random, vous voyez, donc on n'a pas trop le choix. C'est pas bien grave, on va faire des fondations comme ça et puis ça sera parfait. Voilà, il faudrait que la fondation elle soit à cette hauteur là. Ouais, pas trop quand même, parce que j'ai peur que trop je sois gêné après. Ah, j'avais un truc bien là. Ah, j'avais un truc bien. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop haut, quoi. Après, tu me diras... Oh. Après, ici, je peux rien faire. Ouais, on n'a pas le choix. Je crois qu'on va être obligé de les... Voilà, on va être obligé de les mettre comme ça. Pas trop le choix. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, par contre, les échelles, ça marche comment? Step. Ah, il faut des lightning. C'est pas grave, ça. Lightning, je peux en faire plein. Lightning, mon pote. Je peux en faire plein, moi, de ça, des lightning. Regarde. Ah, quoique en fait j'ai pas pris beaucoup de trucs pour faire des lightning la fois dernière. Tac tac tac, vas-y donne moi ça. Hop. Et là je peux faire. Je savais pas que pour un escalier il fallait absolument ça. Ah celui-ci, wood step. Est-ce que... Ah est... attendez, est-ce qu'on peut le mettre comme on veut ou pas? Ah je crois pas non. Ah, on peut le faire comme on veut. Ah mais c'est trop cool. C'est trop cool! J'adore ce jeu. Oh, en plus, ça te relie directement. Mais c'est génial. C'est excellent. Excellent, excellent. Surtout que des sticks. avec l'outil, c'est pas trop ce qui manque. Tu vois ce que je veux dire? Ok, super. Super. On va faire une belle base.
base, façon de parler. Quand je dis base, c'est la base au niveau du truc. Super. En plus, on voit en dessous, c'est joli. Oh, c'est vrai que les blanches auraient été mieux, mais... Oh, c'est génial. Parce que le floor, c'est... Ok. Ok, ok. Donc, pour le floor... Bah, de toute façon, je vois pas ce que ça change, donc on s'en fout. On pourrait refaire des sticks. Parce que des sticks, je peux en avoir en pétant le bois que j'ai récupéré la fois dernière. Et c'est ce qu'on va faire. Coup de hache dans la tronche, mon gars. Et ouais, regarde, Twist Fold. Allez, regardez, regardez le mouvement du personnage au niveau de l'ombre. C'est un délire. Sentez la motivation. J'entends un requin. Ok. Hop, 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 hop. On récupère tout ça. Super. Alors, on va casser celui-là. Regardez, il y a la tête, elle bouge même pas. On voit qu'on est chauve apparemment. On est chauve. Je crois bien qu'on est chauve. Ou alors on a perdu nos cheveux à cause de l'île qui nous rend. Waouh! Waouh! Eh, vous êtes sérieux? Tous les sticks, comment ils ont volé quoi? Oh le vol! J'ai vu que j'avais un bout de palmier là-bas qui traînait, il faudrait que je le coupe aussi. Parce que par terre il me sert plus à rien pour. Donc voilà. Hop, on va récupérer ça. On va récupérer, attendez, ce que j'ai perdu là-bas. Oh. Déconne ou quoi? Non mais attendez, vous avez vu comment les trucs ont volé? C'est un délire. Ils ont volé moi jusque là-bas? Non mais oh, ils sont où les deux autres? Eh non mais je me sens arnaqué là. Le délire. Bon c'est pas grave. Hop, on va faire fondation. J'ai pas de stick. Tu rigoles ou quoi? J'en ai plein. Attends, on va les déposer au sol. Peut-être que... Ah c'est peut-être pas du tout la même chose. Ah, c'est peut-être pas du tout la même chose. Ah ok, je confirme, en fait c'est vraiment pas les mêmes sticks. C'est vrai, regardez, il y a les driftwood et les wood sticks. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Est-ce que sur le trunk je peux récupérer directement des sticks comme ça, ou je suis obligé de les avoir autrement? Ça c'est la question que je me pose. C'est pas grave, de toute façon il faut bien couper tout ça. Ouais, des logs, je sais pas. Ça m'étonnerait, à mon avis ça va nous donner des tout petits bâtons. Pour ça je me disais, c'est bizarre, on a deux sticks j'ai l'impression. Ok, c'est pas grave. Ah, là on a des vrais wood sticks. Ok. C'est à base de bois. En fait, c'est des sticks, d'accord. Des bâtons à base de véritable bois et pas à base de. Vous savez, d'espèces de ruines. Mais par contre, je crois que ça peut nous servir pour aller dans le. Effectivement, dans le feu. Par contre, on va. Oh oui, j'ai un petit souci de soif là. Hop, on va tout de suite allumer un feu. Hop. De toute façon, je vais couper ça, les coconuts, parce que quand même, ça ne sert à rien comme ça. Voilà, un câble. Ça rigole quoi? Non, je peux pas le prendre. Attends, on va déposer ça. What? Attends, attends, attends. Dépose ça. Voilà, ce sera mieux. Ring câble. Voilà, super. Et là, on va allumer le feu. On va allumer le feu. Yay! Allez, vas-y. Allume le feu, feu. On peut le faire. On peut le faire. Voilà, voilà, voilà. On frotte, on frotte, on frotte. C'est bon, ça. Là, on commence vraiment à avoir un bon petit campement. Ça fait plaisir. Niveau nourriture, par contre, on est vraiment au max. Hein. C'est génial. Hein. Niveau nourriture, c'est un délire. Hein. Ça baisse jamais en fait. Parce qu'il y a encore de la. Vous savez quoi? On va le prendre, on va le remplir. Au cas où hein, il se soit vidé un petit peu, ce qui est tout à fait faisable. Ok, on va prendre le seau. Voilà! Ok! On va le redéposer comme ça. On va avoir de la soif. Enfin, on va avoir de l'eau. Et du coup, notre soif va un petit peu moins baisser plutôt. Voilà, et on va le mettre là. Non! Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. On va le rallumer. On va le rallumer. Allez. On est spécialiste, nous. On est l'allumeur. Allez, 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 allez. Frotte, 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 frotte. Comme ça, oui. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, Furious. Allez. C'est bon, la petite musique triste. Ok, nice. Super. Ok, donc on va casser quelques petites. On peut casser avec le marteau? Non, on peut pas. Avec le. Tiens, avec le couteau. Il me sert jamais à rien, le couteau. Donc autant s'en servir pour quelque chose. Voilà, drinkable, celui-ci. Voilà. Et après on va continuer quand même notre base, parce que mine de rien, on va pas avancer toute seule hein. Pourquoi je peux pas la prendre dans les mains? Peut-être que, attendez. Ok, alors attendez, peut-être que à mon avis je suis full. Voilà. Ok. C'est bon. Je commence vraiment à être full hein. Super. Super. Ok. J'ai trop de sticks. Est-ce qu'on peut, on peut en mettre dedans ou pas? Ah oui, on peut. Oh yeah. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors, on va tous les déposer au sol. Parce qu'ils ne servent à rien ces sticks là. Ah, lui, je vais le prendre. Et c'est tout. Voilà, très bien.
Voilà, au niveau de la soif, ça passe. Ok, bon, on repart où on en était. On en était là, justement. Faut qu'on termine cette bâtisse. Cette magnifique bâtisse. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Yes! Ok, donc là, vous savez ce qui serait bien? Ça serait de mettre un petit escalier. Un petit escalier qui commence là. Ça serait génial. Et on pourrait mettre une arche. Vous savez, avec la porte, ça serait excellent. Franchement, ça démontrait. Donc les steps. Voilà, j'ai eu peur, je croyais qu'on pouvait pas. Oh, c'est super cool! L'arche. Avec des wood sticks. Que je peux récupérer, je vous rappelle, sur une autre île. Hein, d'ailleurs, on va aller sur l'autre île. La coconette, celle-ci, on va la laisser là. En vrai, niveau nourriture, il n'y a jamais de problème. Hein. C'est un truc de ouf, d'ailleurs. Je trouve ça assez affolant. On a récupéré ces wood sticks. C'est parce que... Ah, ils ont le même skin. Ah ouais, mais c'est pour ça que je confonds. Ils ont le même skin. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est un drift log. Et si je le coupe, ça... Attendez. Ah, parce qu'on est d'accord, si je coupe ça, ça va me donner des drift sticks, les tout petits. Faudrait que je coupe plein d'arbres en fait. Plein d'arbres. Ouais, voilà, ça me donne des driftwood. Très bien. Qui me servent à rien. Honnêtement, ils me servent à rien. Ça fonctionne. Super. Est-ce que j'aurais pas un truc à couper? Sinon, je vais pas couper mes arbres ici parce que sinon, je vais vraiment être en gros manque de trucs. Par contre, j'irais bien sur l'autre île aller couper des arbres. Pour attaquer du coup cette partie, vous savez, au niveau des murs, ça pourrait vraiment être super cool, hein, franchement. Ok, oh les gens! Donc je suis de retour sur mon île! Parce que je suis parti sur la seconde île, j'ai ramené alors tout ce qu'il faut pour avoir des sticks. Et c'est marrant parce que du coup là, on voit bien de loin que je suis en train de foutre le feu à mon île. Et derrière, oh! Alors ça, quand tu vois ça, t'as envie de pleurer. Hein. Franchement, t'as envie de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que, attendez, déjà je suis full, hein, on va en reparler deux minutes, voilà, parce que, voilà, j'ai mon seau qui est nickel. On va le boire en entier, attends. Encore. Est-ce qu'on peut remonter ou pas? Non, je crois qu'il est à fond. Celui-là, on va le remettre au-dessus, et celui-là, on va le reprendre. Voilà, donne le speed bucket. Je suis trop loin ou quoi pour le prendre? Hey! Ah, je peux peut-être pas le prendre. Ah, c'est bizarre que je puisse pas le prendre. Alors pour prendre, attends, j'arrive pas à le prendre. Ah, peut-être parce que je suis full. Bon, c'est bizarre. Attends, lâche le log là. Pousse-toi. Lâche ça, voilà. Hop. On va voir. Ah ouais, j'étais full. Bon, genre un petit peu d'eau dedans, ça y est. Je peux plus le prendre. Non mais oh. Hop, attends, prends ça. Voilà. Donc vous avez pu voir, hein, ce que j'ai déposé, hein. Oui, hein, je ramène carrément des bouts de panier que je sors de ma poche, hein. Oui, je suis comme ça, moi, attends. Ok, super, voilà, génial. On va aller save et dormir. Genre le bout de bois, quoi, j'arrive pas à passer au-dessus, quoi. Hop, la save et le sleep. Ah, pas le sleep, non, pas LSIP, non. Sleep dormir, bien sûr. Oh, d'accord, donc si on avance un peu plus la nuit, ok, on dort un peu plus. Ah, oh, c'est génial, je savais pas en fait. Bon, bah, c'est cool. Ah, je suis désolé si vous en aviez parlé. Oh, mais le son, il s'est rempli tout seul. Le feu s'est éteint. Oh, c'est génial, ça avance carrément le temps et tout. Oh, mais c'est excellent, quoi. On en apprend tous les jours dans le jeu. Voilà, regardez, hop, on le remplit à fond. Je vais voir si je peux pas en remettre, parce que ça, j'en ai clairement de trop. Ah, voilà, ça y est, je suis à fond. Là aussi, ok. Nice, bon, la pluie, allez, elle arrive au bon moment. Bah, ça tombe bien, parce que là, du coup, ouais, ça sert aussi également pour récupérer de l'eau. Voilà, parfait, super. Et là, je vais le reprendre, et je vais le remplir un petit peu. Putain, mais c'est trop cool! Mais ce jeu est vraiment génial, quoi! Franchement, c'est ouf! Ok, donc là, par contre, voilà, rappe le truc. Un petit peu plus. Allez, rappe le. Ben voilà, c'est bon. Super. Super. Regardez tout ce que j'ai ramené, vous avez, c'est cool, hein! J'ai ramené masse bois. Voilà, donc ça va faire plaisir. Et on va pas allumer le feu, de toute façon, je pense pas qu'on puisse l'allumer. Donc là, ça récupère en plus la flotte, c'est génial. J'ai plein de sticks par défaut, mais on va quand même couper le reste. Parce que les logs, je vous rappelle, j'ai coupé des palmiers comme j'avais dit. Mais je coupe pas les palmiers qui sont sur mon île parce que on sait jamais quand même. Parce que si je veux, par exemple, je suis en manque de. Pas de nourriture, parce que la nourriture,
Je pense que ça va, ça descend vraiment pas. Mais par exemple, si je suis en manque surtout d'eau, vraiment, c'est efficace. Et là, par contre, je viens de revoir un truc. Je suis désolé si vous en avez parlé dans les commentaires. En même temps, il y a eu tellement de commentaires sur la vidéo. C'est juste, je vous en remercie d'ailleurs, les amis, au niveau des astuces. Que voilà, mais c'est génial. Et puis, c'est bien parce que ça fait toujours l'effet surprise. Du coup, on est toujours encore plus plongé dans le jeu. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc, vraiment, c'est... ils bossent bien, les mecs, quand même. Ils ont bien bossé sur leur jeu. Ok, woodstick. Là, je commence à être vraiment pas mal. Ça, on va le laisser comme ça. Je m'en moque. J'ai pas envie de récupérer pour l'instant les feuilles de palmier. On va reprendre le marteau. En même temps, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu changer par contre ça, la picture. Ça, l'image, ils auraient pu changer. Alors là, du coup, on va faire. On va faire donc l'arche. En stick. En wood arch. Je peux pas le faire comme ça. Sérieusement là ah, what the fuck. Ah, t'es obligé de laisser un truc comme ça. Ah, tu peux pas le mettre en bord. Tu déconnes. Ah ça par contre c'est un peu nul. Le mec ça y est il est déçu quoi. Le mec ça y est. Il y a deux secondes il dit ouais ouais les développeurs non ils pensent trop bien. Parce que là j'ai vu qu'on pouvait le mettre là. What the fuck, pourquoi tu peux le mettre là et pas là bas Pourquoi on peut pas le mettre là? C'est pas l'escalier qui gêne quand même. Attends, on va voir si je pouvais le mettre là. Eh non je peux pas. Je ne peux pas. Eh mais en vrai je peux pas le mettre comme je veux. Ah bah si. Ah bah voilà. Oh bah autant pour moi. Ok bon c'était un bug. Bah j'ai pas compris pourquoi il voulait pas le mettre. Bon bah écoutez tant mieux. Une porte. Petite porte. Porte. Il faut des lighting. Encore. Putain mais il en faut tout le temps de ces trucs là les lighting. J'en ai plus en plus. J'en ai plus. J'ai plus de lighting. C'est fini les lighting. Ça suffit hein. On va récupérer ça. Allez, mets-en moins un. Je veux voir s'il n'y a pas des. Si ok, ils ont pas repoussé. Je sais pas si ça repousse ces trucs là. Les yucca. Je crois que c'est ça, les yucca. On va voir un petit peu ce qu'il y en a dans le coin. Je crois pas, non. Je crois que ça. Ou alors ça a pas repoussé. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire hop, tac. Yay. Ok. Bon, du coup, on peut faire une porte. Mais pourquoi il faut une cordelette pour une porte, quoi? C'est quand même ouf. Faut absolument des trucs de génie. On va prendre donc le marteau. On va aller prendre dans build. Voilà, on va faire la porte. Wooden door. Allez, mets-le à la porte. Yes. Trop cool. Je me sentirai un peu plus en sécurité, moi, là-dedans. Bien. On pourrait même ajouter une fondation supplémentaire, mais je pense que ce serait pas utile. Je pense qu'à mon avis, ouais, ça va pas être méga utile, mais bon, pourquoi pas. Là, on pourrait mettre à la limite un escalier, quoi. Mais il me faudrait encore des. Mais je vais tout de suite, ouais, je vais tout de suite récupérer parce qu'après, je vais oublier où est-ce que je vais vouloir situer les trucs. Et ça va me déranger. Je vais pas vous mentir, ça va me gêner. Voilà, donc on va prendre ça. Hop, au niveau de ma soif. Parfait. Je m'en tire plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, le jeu, je suis en difficulté normale. Il faut savoir, je crois qu'il y a 3 difficultés. Hop. Donc bon, je suis assez satisfait quand même. Ok, et ça, on va mettre ça là-bas. Voilà, on va mettre ça dans le coin là. On mettra une autre porte ici, comme ça, ça va pas être identique partout non plus. Et ça va vraiment être cool. Voilà, on va mettre l'escalier ici. Est-ce qu'on peut le mettre? Voilà, super. C'est génial. Et on va mettre des fenêtres, peut-être. Pas des fenêtres partout, mais des arches. Ouais, ça c'est pour les portes. Woodstick. Bah, au moins une là quoi. C'est vrai que ici c'est quand même beau quoi. On va se mentir, on a la vue sur la mer, on peut surveiller notre. On peut surveiller notre canot de sauvetage. Je me sentirais un peu plus en sécurité, tu vois. Voilà, regarde. Regarde cette cabane. C'est génial. Bah en fait on va en mettre partout. Hein. Au final. Parce que c'est vrai que sinon tu vois que dalle quoi. Hop, mais comme ça. Après, il n'y a plus de vis-à-vis, mais bon, en même temps, je suis un peu tout seul sur l'île. Bon, j'aime bien savoir ce qui se passe aux alentours, je vais pas vous mentir. Voilà. Parce
parce qu'après, bon, j'ai pas envie de ne rien voir. Surtout qu'après, on va fermer, ça, on verra plus rien, quoi. On verra plus rien. Elle est belle, cette maison! Regardez ça! Il y a des fenêtres partout. Il y a des requins aussi. Il y a aussi des requins. Il y a des fenêtres, mais il y a aussi des requins. Bon, bah voilà, ça, il y a un bon petit jeu début. Il faudrait que je refasse un aller-retour au niveau de l'île là-bas. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que là, je suis en train de regarder. Je crois que j'ai plus de log. Ouais. Je n'ai plus de log. Il faudrait que ça, à la limite, bah ça, je peux le garder sur moi. Oh, je vais le jeter là, quoi. Je vais le jeter là. Et puis, je vais rallumer le feu. Ouf. Oh, je pense pas que ce soit nécessaire. Je vais en faire un aller-retour quand même. Pas vous mentir que ça va faire du bien. Faire un petit aller-retour jusqu'à l'autre île. Ok, oh les gens, donc c'est bon, je suis de retour. Alors, vous voulez rire à beaucoup ou pas? J'ai entièrement vidé l'île. Voilà, je parle de la seconde île, bien évidemment. Je l'ai entièrement vidé. Que ce soit en palmier ou autre, il n'y a plus rien. Voilà, donc il reste quelques petits. Vous savez, les petits sticks vaches. What the fuck? On va essayer de se dépêcher parce que je crois qu'il y a un requin qui est sous mon canot de survie, ouais. Canot de sauvetage plutôt. What the fuck? J'entends un truc. Vous entendez ce bruit? Elle est vraiment en dessous, quoi. Elle était vraiment en dessous, moi, quoi. Elle est enfoirée, quoi. Elle essayait de me faire tomber. Mais c'est un délire. Alors je disais donc, oui, il restait quelques petits sticks, vous savez, les ultra fins là, qui ne servent à rien du tout d'ailleurs. Donc c'est pour ça que, enfin, si, ils me servent à allumer, à ramener un peu plus de bois sur le feu. Donc c'est pratique, et d'ailleurs, il a replu ou quoi. Donc c'est pratique, on va les déposer d'ailleurs ces trucs, mais avant je vais crafter des choses. Est-ce que je peux prendre le marteau? Oui, je prends le marteau, donc c'est très bien. Donc c'est-à-dire, je peux terminer la partie, donc là, on va encore mettre... ça, attendez, on va faire ça. Donc, window. Donc moi j'aime bien les vitres, hein, donc, enfin les petites zones où on va effectivement voir dehors, c'est plus simple. Voilà, window encore. Ok. Bon, bah là on a déjà une belle vue. Non mais c'est quand même mieux parce que c'est vrai qu'après on va vraiment être bien enfermé, quoi. Donc j'ai pas envie d'être d'être enfermé comme ça. En plus avec l'eau rouge comme ça, y'a rien de plus flippant. Oh, il est là-bas l'enfoiré. Il est énorme. Il est énorme, c'est un délire. Il est énorme, énorme, énorme. On va faire hop, tout comme ça. Voilà, super. On va mettre une porte. Et il me faut lightning. Très bien. Très, très bien. Du lightning. Normalement, je sais pas si je peux en faire. Je sais pas si je peux en faire. Par contre, c'est un petit peu débile de devoir rester appuyé sur E pour comment dire, ouvrir la porte. Un simple clic aurait suffi. Très bien. Donc, je peux faire une porte. Voilà, super. Génial. Je vois pas trop l'utilité de la porte, mais bon, on va dire qu'on va la mettre par principe. Hop, attends, on va la mettre à l'extérieur parce que j'ai l'impression que ça bug un peu, voilà. Super! Génial! Ah, c'est super cool! Et il manque plus qu'à mettre un lit, quoi. Alors, normalement, on peut faire un deuxième... ouais, on peut faire un deuxième truc, quoi. C'est super cool. On peut faire un premier étage et du coup, on pourrait faire un deuxième, etc. Je sais pas combien d'étages on peut faire, mais en tout cas, on peut effectivement ajouter un étage et c'est génial. C'est super. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je mettrais le lit en haut et tout ce qui est pour cuire, je le mettrais plus en bas. Voilà. Ça serait bien. Enfin, tout ce qui est pour cuire, bon, malheureusement, tout est là-bas, quoi. Mais. Ou alors à l'avenir, si j'ai vraiment trop de trucs au niveau des sticks, mais à mon avis, ça m'étonnerait. On va voir un petit peu où j'en suis. Bon, au niveau de ma soif, ça passe. On va vider les coconuts. Écoutez, j'en ai sur moi. Et d'ailleurs, il y en a plein. Il y en a plein partout. C'est un délire. C'est un délire. Il n'y a que de ça, je crois. Hop, on va pas prendre la machette. La machette, j'ai bien envie de la garder, on sait jamais. Est-ce que j'ai encore le... Ah, super. Super. Hop, super. Super drinkable. On va faire pareil pour les autres. Et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gens. Ça sera déjà pas mal. Franchement, on aura bien avancé. Je suis assez content. Il me manque un toit, je vous l'accorde. Mais la fois prochaine, on ira le farmer. Très bien. Bon. On va voir un petit peu encore. Jette. Jette, celle-là on va la garder. Super. Bon, et bah écoutez, et bah c'est parfait. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, je vous invite à faire exploser la barre de pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne et à partager. Je vous remercie infiniment, les amis. On se retrouve très bientôt pour la suite de Stranded Deep. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.